Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un bon plan course. Je suis allée chez Carrefour. Ce que vous voyez ici, normalement, il y en a pour 84,17 € et au final, ça me reviendra à 23,71 €. Donc, il y a des yaourts, des gâteaux, des produits ménagers, des couches, du Nutella, de la viande, de la charcuterie. Donc, je vais vous faire le détail de tout ça maintenant. Alors on va commencer par la viande et la charcuterie, ce qui va me permettre de la remettre au frigo. Donc j'ai pris alors des blancs de dinde de la marque Régalal qui coûtent 1,72 € et vous pouvez trouver sur le site Régalal des bons de réduction d'1 €. Donc au final ça m'est revenu à 72 centimes les 4 tranches. Ensuite j'ai voulu goûter ça, donc c'est des crocs Régal façon bolognaise. On verra bien ce que ça vaut. Alors ça coûte 3,57 € et toujours pareil, vous avez un bon d'1 € sur le site Régalal en vous inscrivant en fait. Donc vous vous inscrivez à des noms différents si vous voulez avoir plusieurs bons. Ça revient à 2,57 € au lieu de 3,57 €. Par contre, ce qui sera valable, c'est d'imprimer vos bons pour celles qui font le ramadan et qui prennent de la viande, ou même celles qui prennent de la viande halal. Ce sera d'imprimer vos bons pour le ramadan, puisque la semaine prochaine, il va y avoir le catalogue spécial ramadan. Donc, il y aura cette marque-là de toute façon en promotion. Ça vaudra le coup de rajouter 1 €. Ensuite, j'ai pris alors des blancs de poulet. Donc là, ils sont notés 2,96 € sur la 2,93 € sur la boîte, mais en fait, ils sont passés à 2,80 € en caisse. Donc j'ai passé de bons de réduction. Donc au final, j'ai payé 3,60 € au lieu de 5,60 € les 4 escalopes de poulet. Ensuite, on va passer à une offre qui se trouve sur Shopmium. Ça faisait longtemps que je les cherchais, ces yaourts-là, et je les cherchais pas au bon endroit en fait. Donc je les ai trouvés aujourd'hui. Alors j'ai pu prendre. Alors en premier, vous avez une offre pour un paquet comme ceci qui coûte 1,99 €. Vous pouvez l'essayer pour 1 €. Donc Shopmium va vous rembourser 99 centimes si vous n'avez pas de parrainage. Si vous avez du parrainage, vous ne payerez rien. Ensuite, j'ai fait une autre offre sur Shopmium. Donc vous pouvez tester alors la variété triple sensation et champ de fruits. Vous achetez les deux en même temps et vous pouvez les découvrir pour 1,50 € au lieu de 3,64 €. Celui-ci coûte 1,65 € et celui-ci 1,99 €. Donc pour celles qui n'ont pas de parrainage, ça va vous revenir à 1,50 €. Shopmium va vous reverser 2,14 €. Et pour celles qui ont du parrainage, ça vous coûtera rien. Ensuite, j'ai voulu tester les danettes double saveur. Donc vous avez 30 centimes remboursés sur l'application Feedme. Pour commencer, moi j'avais un bon de réduction de 45 centimes que j'avais imprimé sur Danone il y a quelques temps. Et vous pouvez aussi trouver 30 centimes sur l'application Carrefour et moi. C'est-à-dire que vous chargez le bon en fait et avant votre passage en caisse, en fait au passage en caisse, vous allez faire voir tous les codes barres que vous avez sélectionnés. Elle va scanner la caissière et du coup j'ai récupéré 30 centimes de plus là-dessus. Ce qui fait que je passe de 1,49 € à 44 centimes. Ensuite, chez Carrefour, vous avez une offre 2+1 gratuit sur la semoule au lait de la laitière. Vous avez aussi le riz au lait. Moi, je me suis trompée. Je voulais prendre le riz au lait. J'ai pris la semoule. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, c'est 2+1 gratuit. Ça coûte 1,38 € pièce, donc 4,14 €. Vous avez une remise magasin d'1,38 €. Ce qui fait que vous passez à 2,76 €. Et moi, j'avais un bon de 60 centimes que j'ai dû imprimer sur Envie de bien manger, je crois. Et j'en avais deux autres de 40 centimes que j'avais aussi imprimé sur Envie de bien manger. Sur plusieurs comptes différents, en fait. Parce que le 60 centimes, je crois que c'est sur un des derniers comptes que j'ai dû faire. Les 40 centimes, c'était des anciens comptes, en fait. Donc au final, ça m'est revenu à 1,36 € les 3 au lieu de 4,14 €. Et j'ai oublié de vous dire aussi sur l'emballage, vous avez un bon de réduction à récupérer sur chaque emballage de 15 centimes. Sachant que honnêtement, sur le site Envie de bien manger, vous allez trouver plus que 15 centimes, je pense. Ensuite, on va passer à ceci. Donc ça, c'est une offre sur Shopmium, toujours pareil. Vous pouvez découvrir, donc là, c'est l'imperméabilisant cuir délicat de la marque Kiwi. Vous pouvez le découvrir pour 3,50 € alors que ça coûte 5,55 €. Donc celles qui n'ont pas de parrainage, ça vous coûtera 3,50 €. Shopmium va vous reverser 2,05 €. Et pour celles qui ont du parrainage, ça vous coûtera rien. Ensuite, toujours de la marque Kiwi, en fait j'ai pris ça, bon l'imperméabilisant, je l'ai pris pour l'hiver prochain, parce que bah, y a bien souvent je l'achète au prix fort parce qu'il m'en faut dans l'immédiat quoi. Donc je l'ai pris là d'avance. Lui-ci par contre ça va être pour, ça laisse un voile de soie en fait pour pas avoir mal dans les chaussures en fait. Puisque moi j'ai des chaussures qui me font mal, donc je vais essayer ça et voir si ça frotte toujours avec ça.
Donc ça c'est pareil, ça coûte 5,55 € et vous pouvez le tester pour 3,50 €. Donc celles qui n'ont pas de parrainage, ça vous coûtera 3,50 € au lieu de 5,55 €. Chamium vous reversera 2,05 € et pour celles qui ont du parrainage, ça ne vous coûtera rien. Par contre j'ai cherché, j'ai pas trouvé de bon de réduction. Enfin j'en ai trouvé mais c'était des anciens de 2010 ou je sais pas quoi sur internet. Donc cherchez pas trop loin, à moins que vous ayez eu des bons en rayon il y a quelques temps, mais moi j'ai pas trouvé sur internet. Ensuite j'ai continué mon petit stock de gâteaux que j'avais pas pu terminer la semaine dernière, puisque j'étais limitée au niveau de la place. Donc là j'ai presque terminé en fait. Donc j'ai pris des Belvita qu'on aime ici, enfin les enfants comme moi. Ça coûte 2 € pièce, donc là il y en a pour 4 €, et vous pouvez trouver des bons de réduction de 2 € pour l'achat de 2 sur Ma Vie en Couleur, ce qui fait que ça fait les deux produits enfin à moins 50% on va dire. Au lieu de 4 €, j'en ai eu pour 2 € les deux boîtes. Ensuite j'ai continué mon stock Prince, puisque il me restait deux bons de réduction. Donc les Princes sont à 1,16 € pièce. La semaine dernière, ils étaient à 1,13 €. Ça a augmenté de 3 centimes. Donc j'en ai pris 6, ça fait 6,96 €. Il y a une remise magasin en ce moment de 2,10 €, ce qui fait que ça fait les 6 pour 4,86 €. Et j'avais imprimé donc deux bons de réduction de 2 € sur Ma Vie en Couleur. C'était 2 € pour l'achat de 3. Donc du coup, au final, ça me revient à 86 centimes les 6 paquets de Princes. Ensuite, on va passer aux Oreo. Bon, ça, en temps normal, j'aurais pas trop pris. C'est Bilal qui m'a demandé de lui en prendre. Donc, ça coûte 1,42 €. J'en ai pris 2, ça fait 2,84 €. Et j'avais un bon de réduction d'1,40 € pour l'achat de 2, qui provient de Ma Vie en Couleur. Donc, au final, ça fait quasiment moitié prix. Ça fait les 2 pour 1,44 € au lieu de 2,84 €. Ensuite, ça, c'est pareil. C'est encore Bilal. Donc, deux boîtes de Mikado. Il me restait un bon, en fait. Donc, ça coûte 1,28 € pièce. C'est pareil, je crois que c'est plus cher que la semaine dernière. Donc, j'en ai pris 2. Ça fait 2,56 €. Et il me restait un bon d'1,50 € qui provient de Ma Vie en Couleur. Donc, ça fait 1,06 € les deux boîtes au lieu de 2,56 €. Ensuite, on va passer aux cracottes. Donc, les craquinettes. Donc ça coûte 1,36 € pièce, il y en a pour 2,72 €, j'en ai pris 2. Et j'avais un bon d'1 € qui provient toujours pareil de site Ma Vie en Couleur, donc ça revient à 1,72 € au lieu de 2,72 €. Il n'y a pas grande remise dessus, mais moi ça c'est un truc que j'adore. Donc j'ai préféré les prendre là plutôt que d'en prendre enfin le mois prochain et que j'ai plus le bon de réduction du coup, puisque ça je suis sûre que j'en rachète tout le temps. Ensuite j'ai repris des petits beurres puisqu'il me restait un bon. Donc la semaine dernière c'était 99 centimes le paquet, cette fois-ci c'était 1,02 €, donc les deux m'ont coûté 2,04 €, et j'avais un bon de réduction d'1,50 €, Ma Vie en Couleur. Du coup au final ça revient à 54 centimes les deux paquets au lieu de 2,04 €. Ensuite j'ai pris des granolas. Donc ça coûte 1,39 € pièce, il y en a pour 2,78 € puisque j'en ai pris 2. J'avais un bon de réduction d'1,40 €, Ma Vie en Couleur toujours. Donc ça revient à 1,38 € les deux au lieu de 2,78 €. En fait sur les gâteaux ça revient soit à moitié prix soit à moins 75% sur certains. Donc ça vaut le coup de faire le stock maintenant en fait. Hein, même. Au moins pendant 3-4 mois, je pense même plus que ça, ça se trouve, je serai tranquille. J'aurai pas de gâteaux à racheter sauf vraiment des bonnes occasions, enfin des bonnes optimisations. Mais autrement il n'y a pas besoin de racheter les gâteaux. Là, on a de quoi faire, on a de quoi alterner aussi, donc c'est très très bien. Ensuite j'ai pris des tucs, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de ça franchement. Donc ça coûte 84 centimes le paquet, il y en a pour 1,68 € et je les ai pris par deux puisque sur Ma Vie en Couleur vous avez un bon de réduction d'1 € pour l'achat de 2. En général les bons de réduction sur Ma Vie en Couleur pour les gâteaux là c'est pour l'achat de 2, donc au final ça revient à 68 centimes les deux paquets au lieu d'1,68 €. Ensuite j'ai pris des pépitos, donc toujours par deux, ça coûte 1,08 €. En tout il y en a pour 2,16 € les deux. J'avais un bon de 90 centimes pour l'achat de deux, toujours Ma Vie en Couleur. Donc au final ça me revient à 1,26 € les deux au lieu de 2,16 €. Il n'y a pas grande différence mais bon, c'est déjà ça de prix. Ensuite j'avais un bon de réduction en fait, petit navire, que j'avais mis, enfin je l'avais mal rangé en fait. Donc il se terminait aujourd'hui, le bon c'était un bon d'1 €. Donc je me suis dit je vais prendre quelque chose hein, pour pas perdre le bon. Du coup j'ai pris ça, donc c'est du thon, des miettes de thon à la sauce tomate. Ça coûte 1,86 € moins mon bon de 1 €, ça fait 86 centimes la boîte. Ensuite le Monsieur Propre qui est en promo en ce moment chez Carrefour. Donc à la base il a 1,89 €, vous avez une remise magasin de 86 centimes, ce qui vous fait passer le produit à 1,13 €. Et sur le site Victoria et la belle adresse, vous devez avoir un bon de réduction d'1 €. Moi je ne l'ai pas imprimé sur le site, je l'ai pris du livret Victoria je crois, mais je crois que vous l'avez aussi sur les sites. Donc au final ça revient à 13 centimes au lieu d'1,89 €.
Ensuite, le Lenor. Donc à la base, je devais prendre le Lenor, le nouveau Lenor là qu'ils ont sorti, le blanc Centaure Marine ou un truc comme ça, qu'on pouvait avoir avec mon avis Laurent gratuit. Mais comme en même temps il est en promotion, ben, du coup il n'y en avait plus. Donc j'ai laissé tomber mon avis Laurent gratuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans le magasin, en fait, vous pouvez aller sur l'application Mon avis Laurent gratuit. Si vous ne trouvez pas un produit, vous l'annulez sur place. Vous dites que vous ne l'avez pas trouvé, forcément. Et vous pouvez reprendre un autre produit, ce que j'ai fait avec les couches qui vont suivre. Du coup, j'ai laissé tomber le Lenor que je ne trouvais pas. Je l'ai annulé sur l'appli et j'ai pu reprendre autre chose avec mes points, en fait. Donc, pour revenir au Lenor, à celui-ci. Donc, celui-ci n'est pas en promotion, mais j'avais un bon de réduction de 3 euros qui se terminait pareil aujourd'hui. Donc, je me suis dit, c'est un peu bête de perdre 3 euros, sachant que ça coûte 4,98 euros. Donc, au final, ça m'est revenu à 1,98 euros. Le bon de 3 euros, vous ne le trouverez pas puisque je l'ai imprimé, je sais plus, bah, je l'ai imprimé le 13, hein, en fait, le 12 ou le 13 avril. Du coup, donc vous le trouverez plus en ce moment. Ensuite, alors les Always, qui sont à la base à 3,52€ le pack. Vous avez une remise magasin de 1,41€, ce qui fait que vous passez à 2,11€. Et j'avais un bon de réduction d'1€ que j'avais imprimé sur le site Pampers. Il y a quelques temps aussi, j'avais beaucoup de bons, en fait, cette fois-là, qui se terminaient aujourd'hui, en fait, le 13. Donc, celui-ci, je crois que ça en faisait partie. Donc, vous trouverez peut-être plus le bon d'un euro, en fait. Vous allez trouver sur envie de plus, peut-être 50 centimes. Mais bon, là, j'avais 1 euro, donc ça m'est revenu à 1,11€ au lieu de 3,52€. Et pour finir, je vais vous faire voir ce que j'ai eu avec mon avis Laurent gratuit. Donc, j'ai pris du Nutella. 400 grammes, ça coûte 2,69€, donc ça m'a été directement déduit sur le ticket. Je donnerai mon avis. On va pas avoir de mal parce que le Nutella, on connaît. Ensuite, j'ai pu prendre ça des Kleenex, en fait, il m'en fallait. Puis, comme vous avez dû l'entendre, je parle un peu du nez, là, je suis à moitié malade. Donc, les Lotus mouchoirs coûtent 1,94€. Ça m'a été déduit du ticket. Pareil, je donnerai mon avis. Et je pense que ça peut être plutôt pas mal. On verra ce que ça donne. J'ai jamais testé ce genre de Kleenex, sauf les mentholés là ou je sais pas quoi qu'ils faisaient pendant un moment. Pour terminer, avec mon avis Laurent gratuit, du coup j'ai pris ceci en remplacement du Lenor, en fait. Ça coûte 6,30€, déduit directement sur le ticket. Maintenant on va passer au bon que j'ai trouvé. Avant de passer au bon, je vous ai jamais fait voir en fait comment je m'organisais, en fait. Bon, c'est un peu le bazar parce que j'ai tiré tout à l'heure sur les bons de gâteaux, puisque je me rappelais plus certains montants et qu'il me reste des bons encore. Donc vous voyez, c'est une pochette que j'ai eue sur AliExpress. J'ai encore jamais fait le haul AliExpress d'ailleurs, je dois vous en faire un. Je l'avais trouvé pour 1,20€, je crois, il me semble, sachant que vous voyez, elle est assez petite, elle n'est pas spécialement large. Moi j'aimerais bien, ce que j'aimerais bien trouver, c'est celle de chez Action, mais j'ai pas de Action, ça commence à m'énerver. En fait, ma belle-sœur a regardé pour m'en trouver une, mais elle n'a pas trouvé. Donc bah, j'attends, hein, peut-être qu'ils nous mettront en action d'ici peu. Donc vous voyez, c'est une pochette avec une petite pression. Donc pour celles qui n'ont pas d'action, du coup vous pouvez y aller sur AliExpress. Vous avez ce genre de pochette qui est pas mal. Ça fait longtemps que je l'ai et elle tient. Et comme vous pouvez voir, elle est vraiment blindée, quoi. Je veux dire, là j'arrive pas à la fermer de toute façon. Il y a trop de bons. Donc je vais vous faire voir vite fait comment je m'organise. Et je vous ferai voir les bons que j'ai trouvés. Bon, là c'est du divers et puis les tickets de caisse que je garde devant. Après j'ai une case yaourt, j'ai une case fromage, j'ai une case sauce qui regroupe tout ce qui est mayonnaise, les sauces bolognaises et compagnie. Ensuite une case surgelée où j'ai pas grand chose. Ici ça va être les céréales, les gâteaux pour le matin, tout ce qui est gâteau sucré en tout cas. Ici ça va être tout ce qui est pour le petit déj, donc le café, le thé, le lait. Voilà, vous voyez, il y a du lait, du café, nanana. Tout ce qui touche au petit déjeuner et puis les céréales qui sont là mais qui ne devraient pas être là d'ailleurs. Enfin bref, ici ça va être les gâteaux salés. Donc j'avais rangé les tucs et les belins dernièrement dedans mais là j'en ai plus. C'est pas ce que j'achète le plus. Ensuite ça va être une case épicerie. Donc ici on va retrouver les Ducros là, que j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Les Vittel remboursés, je sais pas ce qu'ils font là, des macros au piqué, enfin ce genre de choses, les boîtes de conserve, des sandwichs au saut des beaux, je savais pas où les placer, voilà, les salades martinées et compagnie. Ici ça va être tout ce qui est hygiène, donc là ça va être tout ce qui est bon de réduction Pampers, les shampoings, voilà, tout ce qui est soins, les Always, les machins, les laits pour le corps, les Head & Shoulders et compagnie, Biolan, Garnier. Enfin bref, tout ce qui touche à l'hygiène corporelle, que ce soit pour les bébés ou pour les adultes.
Ici, ça va être produit d'entretien. Donc là, c'est blindé. Voilà, tout ce qui est produit d'entretien, les nettoyants pour le sol, pour les toilettes, nanana. Ici, ça va être le linge. Donc tout ce qui est assouplissant, tout ce qui est lessive, parfum de linge, etc., etc. Vous voyez? Et là, ça va être encore une pochette d'hiver où j'ai mis les bons Kinder qui me restaient. Voilà, l'air d'hameur, je me suis trompée en fait, n'importe quoi. J'ai imprimé du l'air d'hameur alors que je voulais acheter du Folle Épi. Enfin, rien à voir quoi. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de compartiments. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je crois. 14 compartiments. Donc celles qui sont intéressées, qui n'ont pas d'action, qui ne trouvent pas les pochettes longues, je vous mettrai le lien sur mon Facebook en fait, en dessous de la vidéo, pour celles qui voudraient commander et pouvoir être mieux organisées, parce que c'est quand même plus pratique de trier comme ça, de mettre tout par catégorie, que d'avoir tout dans une enveloppe. Voilà, c'est pas super pratique. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer rapidement à ce que j'ai trouvé en rayon. Donc j'ai trouvé chaume, enfin vous pouvez le trouver encore, je veux dire, parce que je crois que je l'avais déjà pris. J'ai trouvé ça, donc 50 centimes pour le Maxwell à housse. Ça par contre, je ne l'avais pas. Et vous avez toujours aussi les Danettes 30 centimes. Mais il n'y avait vraiment pas grand-chose cette fois-ci. Et puis je pense que je vais éviter d'y aller le samedi. Je vais plutôt y aller le mercredi après-midi. Bon, ça va pas être évident parce qu'à chaque fois, je suis sûre d'avoir les enfants. Parce que là, franchement, j'y suis allée sans les enfants qui sont en week-end chez leur papa. Et franchement, c'était beaucoup, beaucoup plus pratique d'y aller sans les enfants, honnêtement. Voilà quoi. Donc, j'ai pas trouvé grand-chose. Je pense que j'aurais pu prendre beaucoup plus d'articles, mais il y a des choses, c'était vide, les rayons étaient vides. Ce bon plan course est terminé. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!